Hey, salut tout le monde, ça c'est les ponts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA 5 Online pour vous présenter la promotion, enfin plutôt les promotions du mois de mai, enfin du mois de mai, enfin le 13 mai pour une semaine, hein. Vous savez, c'est des jeudis en jeudi, donc du 13 au que je dis pas de conneries. La promotion du 13 au 20. Donc, vous pouvez profiter de quelques promotions dans Warstock et Legendary qu'on va regarder ensemble. Bon, on va aller dans la boutique, enfin plutôt sur Internet. Voilà. Donc, ce que je vous conseille d'acheter pour les gens qui n'ont pas beaucoup de thunes, hein. Bon, allez, on va créer par prix déjà. Hop. Est-ce que c'est bon les prix? Non, je vais mettre prix plus élevé. Donc, ce que je vous conseille d'acheter dans le premier temps dans la promotion de Warstock, je vous conseille hein, d'acheter, surtout pour ceux qui veulent concentrer dans les entrepôts, etc. etc. Donc, ces véhicules, vraiment, ça sert vraiment ce véhicule. Il en sert en plus. Enfin, vous pouvez le mettre dans n'importe quel garage et après les customiser. Donc, moi j'ai acheté pour ma part, enfin, j'ai tout acheté, j'ai tout acheté aujourd'hui même. Donc, voilà, il y a pas mal de promotions ici. Hein. C'est plutôt, comment dire, plaisant. Au lieu d'acheter la totalité, bah, vous achetez là, même pas. Enfin, il y a un petit peu le prix qui baisse, mais bon, après, voilà quoi, c'est ça vous évite de payer plus cher. Voilà. Maintenant, on va regarder dans partie légendaire. C'est ce qui nous intéresse aussi hein, pour ceux qui veulent faire des courses, qui adorent faire des courses. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Est-ce qu'on a des promotions? Par contre, dans légendaire, j'ai pas encore regardé. Je n'ai pas encore regardé. Alors. Dans les gendarmeries, on n'a rien. On n'a rien dans les gendarmeries. Oh, c'est nouveau ça. C'est nouveau dans les gendarmeries. Il n'y a rien, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de promotion pour cette semaine. Il n'y a pas de promotion dans les gendarmeries. On va regarder dans les autres, hein, au cas où. Au cas où, est-ce qu'il y a des promotions ailleurs? Bon, on s'en fout un petit peu. Hop, on regarde vite fait. Non, il n'y a pas de promotion. Attendez, je ne suis pas descendu assez bas. Bon, il n'y a pas de promotion ici. Et on va regarder Elitas. Est-ce qu'on a des promotions? Non, il n'y a pas de promotion. Non, non, non plus. Donc, je pense que c'est que sur Warstock hein, qu'il y a plus de. Enfin, qu'il y a que des promotions pour cette semaine. Sinon, sur les autres sites, ils n'ont pas de promotion. Donc, je vous conseille hein, fortement, comme je disais tout à l'heure, pour les gens qui se concentrent que dans qui pour remplir les entrepôts, un peu à export, bah, je vous conseille d'acheter Menacer, mais ou Menacer, comme vous voulez. Ça vous aide énormément. D'ailleurs, je l'ai là, je l'ai. J'ai pas encore mis un custom là-dessus. Donc voilà, pour moi, ça, j'ai déjà testé j'ai déjà testé résistance. Ou alors, on va tester ensemble. Alors, tester ensemble et on va voir. Vous allez voir que c'est bien comme voiture. Hop. Comment on tire déjà? Je sais plus. Je sais plus comment on tire. Ah oui, je me suis mis en mode nouveau mode rivalité disponible. Ok, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Ah peut-être c'est parce que je me suis mis en mode comment ça s'appelle en PDG. Donc il faut que je peut-être que je me désabonne. Enfin, je quitte mon PDG pour activer le tir. Allez, hop. Alors la tourelle. Ah, c'est bon. Ah, j'ai oublié de mettre la tourelle. Attendez, je vais mettre encore en PDG pour voir si ça fonctionne.
Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Donc il fallait mettre juste la tourelle. Il faut appuyer plusieurs fois sur carré, hein, comme d'habitude. On va tester la résistance ensemble. Hop là, j'ai fait appel au flic. Hein. Hop, vous avez vu. J'ai pas encore mis de blindage et tout ça. Donc c'est déjà blindé. Je vais prendre quand même des encas au cas où je me fais tirer dessus. Pour voir est-ce que je vais résister aux impacts de balles. Une fois que je suis à l'intérieur. Hop, il y a des flics par là. Hop. Hop. Là, ils peuvent pas sortir là. Je peux le bloquer. Vous avez vu. J'ai bloqué. Ça va exploser. Ah, c'est vraiment cruel là. Hein. C'est trop cruel. Mais bon, après, c'est pour tester l'engin. Hein. Vous allez voir que ça va être très très résistant. Hop. Allez, bah, je vais tenter d'aller jusqu'aux 5 étoiles. Hein. Hop, voilà. Vous avez vu, je suis même pas encore touché par les impacts de balles pour l'instant. Je suis au deuxième étoile. Voilà, je peux rester collé contre les flics. Hop, voilà, vous avez vu. Vous avez vu, c'est très très puissant. Après, je sais pas, une fois que c'est customé, est-ce qu'on peut rajouter par la suite, pour vous dire, hein, je connais rien de ce véhicule, hein, je connais rien encore, mais est-ce que par la suite on peut rajouter des mines à proximité ou lance-grenades, ce serait bien, ce serait plus efficace, je pense. Vous avez vu comment c'est très efficace, hein. Je suis à 3 étoiles, j'ai rien pour l'instant, à part la tourelle et tout. Mais par contre, côté résistance roquette, je ne sais pas du tout. Ah, on m'a touché. Voilà, regardez comment c'est précis. Hop, là, il se met debout. Ça traverse tout. Voilà, hop. Je fais exprès de rester à côté. Vous avez vu comment c'est puissant. Ce véhicule est très, très puissant. Il est très, très puissant, voilà. Regardez bien, ça commence à fumer ici. Voilà. Ah, il a 4 étoiles, je suis à 4 étoiles. Et... Par contre, je suis touché à l'intérieur. Mais sauf que le véhicule a l'impression que il n'y a pas de balle qui traverse. En fait, quand je suis touché, en fait, c'est quand je reste auprès de barrage. Donc là, hop, ça touche de loin, de très très loin. Hop, même des véhicules comme ça, je pense, je peux faire, vous avez vu, même des véhicules blindés. Hein. On va tester sur le véhicule blindé ici, voir ce que ça fait. Vous avez vu, même les véhicules blindés, je peux le faire exploser avec ma tourelle. Et du coup, ben, je suis tranquille, hein, vous avez vu, je suis tranquille, il n'y a pas de souci. Wow, ça fait énormément de dégâts, je suis à 4 étoiles. Je suis à 4 étoiles, mes amis. Hop. C'est vraiment trop violent tout ça, c'est violent tout ça. Hop, allez, 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 allez. J'ai rien à craindre en gros, hein. J'ai presque rien à craindre. Limite, si c'est pas plus puissant qu'un tank. Et d'ailleurs, au niveau de vitesse, hein, regardez. Si je veux accélérer, vous avez vu que je peux partir à tout moment. En plus, c'est une puissance, mais énorme, quand même. Énorme la puissance. Hop, là, il y a un petit véhicule blindé des flics. Je vais reculer un petit peu parce que sinon, si je suis trop près, wow, comment c'est puissant. À peine 2 tirs, ça enflamme les véhicules. 2 tirs, ça enflamme les véhicules, quoi. Regardez, hop, voilà. Alors, c'est qui le chef maintenant? C'est qui le chef?
Regardez. Boum. Boum badaboum. Boum badaboum. Allez, poussez-vous. Poussez-vous. Vous allez pas m'avoir comme ça. Je suis à 4 étoiles. Je suis l'ennemi public numéro 1. Regardez l'euro, ils ont pas explosé. Hein. Pourtant, je suis pas. J'ai pas mis de blindage encore. Alors, j'imagine même pas quand c'est semi. Le blindage et tout ça. Ah, je suis rouge par contre. Là, je suis rouge. Je suis obligé d'avancer un petit peu plus. Pour reprendre la vie. Hop. Bon, je vais aller jusqu'à l'extrême hein, pour avoir les 5 étoiles. Donc en même temps, je peux recharger. Hein. Je peux prendre en inventaire. Je peux prendre les encas. Hop, allez. Bon, j'ai rien à craindre. Hein. C'est comme si... après résistance, ouais, ça fait pas mal de temps que je suis... je me fais tirer dessus. C'est comme si pourtant il y a devant pourtant la vitre elle est énorme hein, c'est la vitre de devant elle est pas si bien protégée que ça, mais j'ai l'impression que c'est plus puissant que les autres véhicules. Hop. Allez allez allez, waouh, c'est l'extrême total. Bye. Quand je m'approche de flics, c'est là que je suis touché. Hein. C'est pas avant. Voilà. Regardez, regardez, regardez. Par contre, là, je tire dans le mauvais sens. Il faut que je tire par derrière. Voilà. Hop. Une fois que je... Oh, voilà. C'est les 5 étoiles, là. Allez, boum, 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 boum. 5 étoiles, regardez. Ça explose juste à côté de moi. Ça me fait pas exploser. Donc, ça peut vous aider. S'il y a quelqu'un qui vous attaque... Bah forcément bah vous êtes un peu protégé quoi. Après il faut avoir niveau 100% pour avoir le blindage à 100%. C'est ce qui est évident. Voilà, j'ai 5 étoiles. Je suis tranquille dans la voiture. Il n'y a rien à craindre là. Je suis touché mais pas beaucoup quoi. Pas sur le point de... pas sur le point de mourir quoi. Je me sens mieux protégé là. Et ça fume même pas. Ah, ça commence peut-être à fumer là. Si ça commence à fumer un petit peu, mais ça se voit pas énormément. Voilà, donc pour le test de ces véhicules menacés, c'est confirmé. C'est pour moi ces véhicules le plus résistant et plus puissant. Et après on verra s'il y a vraiment si on peut rajouter d'autres accessoires. Voilà, voilà. Il n'y a plus de flic qui me poursuit. Ah ben, c'est confirmé, comme je disais tout à l'heure. C'est confirmé pour les résistances. Résistance au niveau de puissance de tir. C'est aussi résistant. Ben, j'espère en tout cas que cette vidéo, ça vous a plu et que ça vous a, que ça vous a énormément aidé. Hein. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut et de s'abonner si toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne. Et puis n'oublie pas aussi d'appuyer sur la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis. Ciao ciao.